qu'est-ce que c'est une société coopérative? En quoi est-ce que c'est différent un GVC? Quelles sont les opportunités que ça vous crée aussi en devenant société coopérative? C'est en 2013, pour que l'embargo soit levé, ils sont venus. Bon, il faut qu'on fasse en société coopérative. Il fallait tout reformuler, il fallait revenir à zéro, sur une nouvelle base. Il fallait faire Paris Sogo, GVC, reprendre tout à zéro et ériger maintenant les GVC en société coopérative que l'État avait demandé avant. Sinon, il n'y a pas de différence. C'est la même manière que nous travaillons en GVC, c'est la même manière que nous travaillons en coopérative. Il y a des GVC qui ont existé, même, ils n'ont pas eu de compte. L'argent est gagné à la maison, et c'est la fuite. Parce que l'argent n'est pas sécurité. Oh, avec les scouts. À partir de la société coopérative, des villages ont pu obtenir des agréments agricoles. Et ces retombées sont versées directement dans les caisses de la coopérative. Les SCOP aussi peuvent recevoir des taxes de certaines activités, telles que les activités qui sont basées sur la NACAD. Moi, je suis business, quelqu'un qui vous paie la nourriture, il paie le matériel. Est-ce que vous avez le diamant? Mais, ça arrive. Une société coopérative, à la base, c'est une entreprise. C'est une entité qui mène une activité économique qui investit dans l'activité qui, comme les coopératives de coton ou d'anacard, ils donnent des intrants à leurs membres, ils prennent et retournent de leurs membres. Ce modèle de travail n'a jamais été appliqué avec les GVC. Tout de suite, il faut apprendre. Avant, nous ne connaissions pas le GVC. Quand le GVC est venu là, ça nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a fait même pas la blague avec M. Dian, qui était le directeur de la Sud de Mine. On a dit, ouais, il veut nous corrompre, il veut faire ça. Mais quand on a compris, vraiment ce qui a donné le développement dans nos villages, nous, chacun de nous, on connaît. Or que c'était difficile de créer le GVC. Mais aujourd'hui là, si on vient du coopératif maintenant, même si la force des coopératives est très lourde, que vous êtes là, ça va nous permettre, avec votre connaissance qui est dedans, ça va nous permettre à connaître aussi où il faut aller. Un poule ne peut jamais rabourer le mauvais sol pour donner à son enfant, à son poussin. Ce que moi je demande au gouvernement, de passer dans chaque village. Nous sommes venus à Tandi, on doit aller tradi. Qui va nous aider à appliquer au village pour pouvoir faire peur aux gens? Sinon, quand nous on parle, il ne peut pas avoir peur. Parce qu'on va dire même que c'est lui-même qui a fabriqué. Donc aujourd'hui, quand le temps il va passer, vous allez passer pour une information. Donc ça va aussi appliquer ce que vous nous avez dit ici et on est parti le dire. Sinon, entre nous-mêmes là, vraiment ça va beaucoup gérer beaucoup de problèmes.